Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici sur World of Tank en TNHTVZ51. On farme en Corée toujours la troisième marque sur ce char là. On est à 87,5% là. Il nous manque quand même 7,5% du coup. Voyons ce qu'on arrive à faire de beau dans cette partie où on est un peu en bas de la chaîne alimentaire. Il y a une FV, il y a Jack Panzer, attention à eux. On va tout de suite partir à la colline là-haut là. Simplement, il y a deux Batchat TVP à Vickers 3 en top tier, que des médiums, alors que nous on a un Rhino Cheront. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu l'avantage là-haut à la colline? À voir. En tout cas, moi j'ai un bon spawn, je vais foncer là-bas. Le BRI spot, mais personne peut le shooter. Peut-être la Batchat, mais elle n'a pas reload. S60, bon. Pas très quoi. Léopard peut-être qu'à pouvoir se donner des orgues sur le TS60, on va voir ça. Quelqu'un qui va être shooté, c'est qui? C'est le double canon, c'est l'IS-3-2, il a blindé à mon avis, sans les voir. Bon, moi je m'arrête pas, là je fonce. J'essaye de vite prendre une position là-haut. J'espère qu'on va pouvoir farmer du type 4 un petit peu, là. De la phase peut-être, STI, attention quand même que ça peut blader ça. Bien visé en tout cas, très bien, la GOE sort, a eu le léopard, merveilleux. Bon, c'est moins des points quand même les gars aussi, l'outil blind, il blind, qu'il en peut plus avec ses doubles canons. C'est doublette, le BR là-bas. J'ai pas tenté le blind dans le bush là, j'aurais peut-être pu. Très bien, j'ai un gros kit, une grosse trousse parce que je farme la troisième marque. Sinon je joue au petit kit et aux petites trousses là pour l'instant. J'essaye de refaire un peu des crédits, donc bon, là j'ai claqué des réserves comme vous pouvez le voir. Hop. Est-ce qu'on a la Rhino Cheront à côté de nous? Ça peut être sympa, ça peut être pas mal. La E-Phaser là, il arrivait. STI aussi, on va essayer de se les faire les amis. Attention quand même au TD qui serait derrière là. Ça risque de faire tout drôle ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une Batchat Arty, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. J'espère qu'elle a déjà tiré ses trois obus là. Qu'elle est en reload, on va voir. On va essayer de l'éviter gracieusement. On va avancer jusqu'au moulet les amis. On a pas traîné donc... Normalement on va y arriver assez facilement, j'espère. On trouvera le phaser là. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Ok, il est pas là. Très bien. Tchac, tchac, tchac. On va avancer ici. Le phaser, il est resté là-bas en bas. Très bien, on va essayer de lui faire le flanc là du coup. Ah ouais, mais là c'est gênant, il se cache là. Il se cache. Il montre que la tourelle. Peut-être. Batchat. STI, attention à lui. Essayez de me la coller. Ça avance, mon bon. Le Boons, très bien. Ah, bien. J'ai pris de l'assist, oui, merveilleux. C'est bien pour la marque, ça. Ça va pas me faire one shot. J'essaie de le sortir, la colle, malheureusement. Ok, il est mort, parfait. Attention qu'il y a du monde là-bas, peut-être, qui va me shooter. Je suis un peu perché là-haut, là. Je suis un peu perché sur ma colline. Je vais reculer. Pardon, je vais essayer de me faire oublier tout le moins de l'arty. S3-2, ils foncent là-bas, Vickers là-bas. Très bien. Normalement, je suis plus trop vu là, je suis plus trop spot. J'espère. Vickers, on ne l'a pas, il n'y a rien qui dépasse. Là, là-bas, Selma. Ah bah bien, destruction, voilà, ça c'est fait. J'ai tiré rapidement pourtant, mais les autres ont été encore plus rapides. Tchac. Ori 3 qui est monté à la colline. IS-3-2 qui redescend. Rhino Cheron là-bas. Très bien. Voyons ce qu'on arrive à faire là. Si on a un peu de spot avec le BR qui est encore vivant, ça c'est la bonne nouvelle. Je vais descendre là-bas. Vous savez quoi? Je vais descendre. Je vais recharger mon clip d'ailleurs. Attends, je suis un peu nul. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça va. C'est juste la chenille. C'est pas grave. J'ai pas pris trop cher. Déjà 1000 de dégâts, 200 d'assist, c'est pas trop dégueu ça. On va essayer de faire un peu plus d'assist encore. Le BR il essaye de spotter là-bas. Jack Panzer ressort là sur leur cap. Est-ce qu'on l'aurait là, le BR là-bas? Ok, Jack Panzer peut-être là. Ah, gros sac de FV, Jack Panzer. Ah, on a un morceau de quelque chose là, oui, très bien, la grosse FV. Très bien, il n'y en a plus, merveilleux. Ça c'est un bon point déjà. Clairement, Vickers et Batchat dans la forêt, malheureusement j'ai plus d'obus. Je peux pas tout faire, hein. 1500 dégâts, c'est plutôt bien parti. L'outil a one shot le Batchat, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas s'il a fait la morac ou s'il a pris d'autres tirs en même temps, mais en tout cas, elle est morte. On a perdu le BR, ça c'est mauvais par contre, ça c'est pas très très bien.
Bon, on va voir si on arrive à faire quand même quelque chose de sympa là tout de suite. Sachant qu'il reste le JP, le JPP, le IS-3-2, il est pas spot apparemment. Faudrait que j'ose monter là. On va voir ça. Alors, type 4 à spotter. Le RI-3, il spot rien. Il est peut-être pas spot apparemment. Je vois, t'es mis quand même, mon ami là. Est-ce que j'oserais me mettre là? Oui. Alors, il y en a un rhinocéronte qui fonce là-bas. Type 4, on ne l'a pas. Vas-y, recule, mon gros. Recule, recule. Non, il recule trop là. Il est dans le trou. Malheureusement, on avait un petit morceau de rien du tout là, mais non. Il est reculé dans le trou, malheureusement. Bon. Sachant qu'il reste le rebelle. Très bien, Jack Panzer là-bas. Ah, dommage, il faut détruire la maison là, les gars. Mais il a détruit lui-même, j'ai l'impression, non? Je sais pas. Quelqu'un a tiré là, c'est trop rare. Désolé, je vous augmente le son du micro pour mieux tousser. Désolé pour vos oreilles. IS-3-2 qui va faire le spot. Le Rhinocéron qui prend un peu le chichi là. Il est plus spot s'il est encore spot. Ah, TS-60 là-bas. Très bien, lui on va la smat. Il en prend une. Et il est mort, parfait. Je fais des kills là, l'air de rien. Je fais 4 kills. Plutôt pas dégueu. La partie là, avec 2300 dégâts, 200 d'assist. J'ai pas fait de blind, je pense. Là, on a vu tous les tirs arriver. Malheureusement. Alors, Gunky Wix là-bas. Il serait peut-être temps qu'on fonce là, je ne sais pas. C'est parce que vous aurez Jack Panzer maintenant là-bas. Très bien, lui, Otebo, ne bouge pas. Ne bouge pas, mon petit. Ne bouge pas, que je te dis. Ne bouge pas, non. Ah, là, je l'ai plus. Là, je l'ai plus, malheureusement. J'aurais même tiré, ça aurait boon, je pense. Même juste à la seconde où j'ai rechargé, mais c'était bon ça à mon avis. Est-ce qu'on fonce dans le tas là? Il reste quoi? Non, il reste quand même le Jack Panzer, l'IS-3-2, il remonte là-bas chez eux. Why not? Alors, montre voir s'il arrive à se battre là-bas. Jack Panzer. Est-ce qu'on le perce à la gueule là? C'est ça, mets-toi de flou. Oh, ben, merde, tu tires le mort du coup. VKF3 là-bas. Monte son flanc de tourelle, sinon il y a de la phaser. Il y a quoi d'autre là? Type 4, merde. Bah, très bien, ça rentre, tant mieux. Est-ce qu'on avance là? Est-ce que je vais faire du spot? Il y a la Batchat qui s'en occupe. Il reste un TVP sauvage. Vas-y, moi j'avance là. Ils sont plus que 4. Je peux tanker à peu près tout là. Je vais essayer de faire du spot pour la Team Rocket là. TVP là-bas. TVP, malheureusement, je suis en reload. Je suis en reload, mais je vais essayer de lui en coller quand même. On le voit toujours, on le voit plus, dommage. Est-ce que la Batchat est morte là? Je ne sais pas. Je vais essayer de faire du spot à nouveau ici. Check. Le phaser il prend des bafouilles. VKS3 peut-être là à se shooter. Attention au TVP malgré tout. Les autres foncent dessus. Et c'est le money time là, clairement. Toi t'es beau là. Toi t'es beau. Et il en prend deux. Attention au type 4 là. Il me voit, je le vois. Attention, je suis un peu en slip là. Le TVP il n'ose pas trop me tirer dessus peut-être. Je sais pas. Il prend de l'assist, merveilleux. 3600. Ça c'est bon pour la marque, tiens ça. C'est très bon. Alors le type 4 il va pas se noyer, j'espère là. Il va pas être TVP là-bas. Ok. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que je peux tout tanker là? Vraiment, j'espère. Montre voir là la phase. Ben, il est déjà mort. Type 4 s'est noyé. Oh, c'est pas cool ça. C'est pas cool. J'avais rechargé 4 kills finalement. Là, je peux faire un peu le dynamique avec le K91. C'est pas très grave. C'était quand même une bonne partie là. Un peu en mode sniper, mais c'était une bonne partie. Clairement, on va en refaire une. C'est quoi? C'est la classe 2? C'est la classe 2. Tant qu'il se tire de précision pour retirer de loin pas mal de spots. J'étais à 87,57 je crois de la marque exactement. Top XP, merveilleux. Des gold en veux-tu, en voilà. Il faudrait que j'annule d'ailleurs le Watt Plus. Montre voir là les stats. Du coup, ça a dû bien monter là quand même. Ouais, 88,5. J'ai pris 1%. Il faudrait faire ça encore 4-5 fois là. 5-6 fois peut-être. Et j'aurai la troisième marque. Bon, c'est pas gagné quand même. Pas facile de faire ce genre de partie à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va prendre de beau comme plan ici? Check, France, vas-y, France. Et là, au niveau 1, on va reprendre des checks au cas où. Là, on va reprendre des checks. Voilà, c'est parti. Check, on n'a plus de cadeaux là. On n'a plus de cadeaux. Non, on n'a plus de cadeaux. Il faut encore que je fasse 1000 XP. Très bien, allez, c'est parti. Hop. Pas mal de crédits là je pense sur cette bataille, j'ai pas trop fait gaffe au crédit. Oui, 168 000 là, avec toutes les missions là, et tout, les réserves bonus.
Bon, on va refaire une bonne partie, j'espère, là dans la foulée. Top tier, ça va être intéressant. Tiens, plus de FV, plus de Jack Panzer. Surtout quand même qu'il y a du T30 et du WTO Panzer 4. L'autre qui a 3 marques sur son char futur 4, bien joué à lui. Chieftain T95. Mais c'est pas le bon. C'est celui que j'ai aussi, celui-là. Il n'est pas si terrible, il a une grosse verrue quand même. Le canon est sympa. Le blindage haut de caisse, c'est pas dégueu, mais. La tourelle ça va à part la verrue, la verrue est tellement énorme là que c'est quand même assez facile de la shooter finalement. Voilà, on est parti là, on a TT-130M à Emile, à le char futur là, c'est comme ça qu'on fait honneur à 3 marques là, c'est pas de remords au début de game. On va partir là-bas à droite, j'espère qu'on n'est pas tout seul, à peu près oui, TT-130M tant mieux, il y a un autre zoo là, où était off, ok, Scorpion et Shiften justement, ok, on est 5, ça va, en vrai. 5 de ce côté, moi je dis que c'est le bon compromis. 4 c'est déjà bien. Bon, 3 ça peut passer, ça dépend combien ils sont en face. Mais 5 on peut vraiment tenir là assez longtemps normalement contre tout ça là. Contre tout ce qu'il devrait y avoir en face à voir quand même. S'il y a du T30, etc., ça me va, ça se perce quand même là. S'il montre un peu sa caisse, j'ai envie de foncer là tout de suite. Faut peut-être pas faire l'erreur non plus. La phase 1 n'est pas là déjà. Attention quand même au Cobra, au Camalia. Très bien, ben le voilà, tiens, justement, sous nos yeux ébahis. Alors, montre voir, 77. Attention, les amis, j'aimerais me placer. Cobra là-bas. Il en prend une. Il en prend deux, déjà, merveilleux. Ça, c'est déjà pas si mal sur lui, là. Combien? 944 de dégâts. Dommage pour le Chieftain, là. Ouais, j'ai bien fait de pas traverser, là, tout de suite, je pense. Le Cobra, il va se cacher, là, derrière les rochers. Je recharge, moi. T130M là-bas, alors on va voir, est-ce qu'ils vont... Ah là-bas il y a Sunlac, ça va, il est caché, il est de l'autre côté là. T30 peut-être qui va sortir à nouveau. Attention le Cobra quand même. Le Sunlac, je pense pas qu'il puisse trop nous gêner, lui normalement. Il n'y a pas une tourelle si forte. Apparemment, d'après ce que j'ai vu. Là, la gold de tier 9, il va peut-être pas résister. De toute façon, le Senlac, là, s'il commence à me chatouiller le flanc gauche, ça risque d'être chiant. Là-bas, le T3, ah, lui, il va être un peu chiant aussi, là. Ok. Est-ce que j'irai pas finir? Non, je vais pas aller finir le Cobra, sachant qu'il y a le Senlac là-bas qui va me flanquer. Le Cobra, il a rechargé, ça fait... Ah, là, qui me shoot, tiens. Mais merde, ça va me faire rire dans la tourelle, là. Eh bien, mange-toi ça. C'est vrai, il m'a rien fait en vrai. M'a rien fait. 55, 29, 38. Ça va, franchement. De toute façon, le Senlac là-bas. C'est peut-être que je suis en reload. Qu'est-ce qui reste derrière moi? Scorpion. TT-130M quasi full aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Cobra, il lui reste un tir à mettre. Il va peut-être essayer. Merde, j'ai pas rechargé. Non, m'embête pas, mon petit. J'ai pas rechargé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Ok, il va là-bas. Est-ce que je prends un peu d'assist là? En vrai, je devrais rush là. Ah, attention là-bas, CS52 lisse. Il est en bas, oui, il est en bas celui-là. On va l'attendre simplement. Ah, ils sont par là, très bien. Le Senlac. Merde, tu spot. Mais merde, il me la colle ce petit. 208, il me fait élu. Sa petite merde là. Côte à côte, tant mieux. Petit Senlac là, le petit Senlac qui m'embête. Le Cobra, non, il sort plus évidemment. Ah, attention, on est en train de perdre l'autre floor là, ça c'est moche, il faut peut-être commencer à pousser. Ah, le 77 là-bas. On va tirer. Le petit Senlac là, non, ça va, mais quand même un peu cher finalement. Au final, qu'est-ce qu'on fait pour l'autre côté? Est-ce qu'on back là ou est-ce que je ne sais pas? Senlac ou Eteof qui arrive là-bas, attention à lui, ouais, très bien. Lui, il fait un bon side malgré tout. Est-ce qu'il faudrait pas backer, les amis? Je suis un peu aux fraises là, je ne sers plus à rien. Très bien, le Senlac il en a pris. Side lui,
Lolo, où est Théof là-bas au pont? Ça va, il avance pas. T30, est-ce qu'il va avancer? J'ai pas l'impression. Ils vont essayer de nous farmer là. De l'autre côté, c'est chaud. Alors lui, toi, t'es beau là. Tu t'angles trop maintenant là. Mon petit. Attention, le CS52. Ouais, lui, toi, t'es chiant avec ton. Merde, ça bounce. Ça bounce. Alors, on reload. Merde, de celle-là qu'il en profite. Il a compté mes coups, certainement. Je ne sais pas trop. Alors, est-ce que ça tient le coup à gauche, là, l'autre flanc, j'espère. Attention, le WTO, là, s'il déboule là-bas. Il n'y a plus personne qui couvre le pont. À mon avis, le WTO, il va arriver. J'ai intérêt de l'attendre, là, pour le coup. Hop, 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 hein, Cobra et toute la famille là-bas. Ok, très bien. On va essayer de se faire au moins la grosse menace. Merde, le T30. Le Cobra, il a peut-être compté mes coups, comme je disais aussi, lui. Ah, il va essayer de les coller. Le T30 qui déboule. Cobra qui shoot, qui shoot, qui shoot, qui en peut plus. Merde, le T30, il va être pour ma gueule. Je peux pas tous les finir. J'ai plus loué Théo avec moi, là. Ah, merde, le CS, là. 77, il en... Ah là là, ils sont tous sur moi, là. J'ai 3 secondes de reload. Ah, bah merde, loué Théo, là. Ah, compliqué, compliqué. Ah, là, la team pas au rendez-vous non plus, là. Pas trop rendez-vous 4 à 8. Moi j'ai été retenu pendant longtemps à ne rien faire. Ben, je pouvais pas bouger en même temps, à part back peut-être, mais comme le WTO off. Mais du coup, ben, je me suis fait ouvrir puisqu'ils m'ont pas couvert là. Et voilà que maintenant il se fait faire les fesses et comme longtemps. Il a servi à rien depuis. Il a commencé à back, malheureusement. On va jouer autre chose. On va pas attendre le cerf. On va pas perdre plus de marques que ça là. J'ai perdu. J'ai reperdu mon pourcentage que je viens de gagner, à mon avis, malheureusement. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. On va jouer Ludes. Tiens, Ludes, normalement, je suis assez à l'aise avec. Voyons voir ça. Le petit Ludes 033. On a fermé la marque. On a fait la master. Ah, c'est une bonne map, ça. J'espère qu'on est du bon côté. Un bon matchmaking. De toute façon, quand même, qu'il y a deux Arta. Ah merde, on n'est pas du bon côté. Mais je vais mettre la gold là. Et je vais partir à la colline. J'aime pas trop ce côté. Il y a deux light là. Tier 8, Bleske, Bachat, 12 tonnes. Des trucs assez camo. Nous, on a quoi? Bleske, LT432. On peut faire le job. On a des Tevatise 4. Attention à pas prendre. Des blinds de l'arty ou même des shoots de l'arty. Simplement si on est spot. Voyons voir ça. C'est le côté des bush magiques, ce côté-ci. Donc c'est pour ça que j'y viens aussi à la colline. On va voir si ça paye ou pas. Je mets la gold là, on verra bien. Allez, c'est parti. Spectacle commence. J'ai un bon spawn en plus pour y aller. J'espère pas y aller tout seul, simplement. Skoda, il vient. Non, il vient pas. Il va aller middle là, vraiment. Il va où? Non, ça va, il vient. T-Batise 4 à Euphaza. T-Batise 4. Très bien. La Euphaza, il va middle. C'est tout ce qu'on a là. Oui, c'est tout ce qu'on a. J'espère qu'ils vont tous monter là, qu'ils vont pas se donner n'importe où au bout du lac là, du petit lac là, enfin du petit étang quoi, vous voyez ce que je veux dire. On est parti en tout cas, Bachat il prend pas les bâches magiques, why not? C'est peut-être un bon point pour nous ça, si le Blesk peut ne pas y être aussi, ça peut être sympa dans la ligne 2 là, pour que nos lights puissent y aller là. T34, T832. Alors le Skoda il prend un peu ma place peut-être là tout de suite, on va voir, j'ai quand même les bons bush. Alors est-ce qu'on va spotter du monde? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Ok, il fonce tout là-bas là, tout là-bas, tout là-bas. Bacha Douston, Blesk qu'il est spoté là-bas, malheureusement on a perdu notre LT hein, là-bas. Très bien, il y a Zozo, merde, on n'a pas, on n'a plus en tout cas. Le Skoda là il fonce là-bas, il shoot, c'est pas trop mal ce qu'il fait peut-être là. Il le voit plus, mais quand même sa dernière évidemment. Check, check, check là-bas, T34, si j'avance peut-être un peu. 77, est-ce qu'il est tout seul là peut-être? Montre un peu, il faudrait que j'avance encore là. Le T34, ah, je le vois pas, il est trop loin. Je sens qu'il est tout seul le T77, vas-y j'avance aussi du coup. Pas spoté de médium, de toute façon quand même au TD là peut-être. T34 là-bas. Oh, toi t'es beau là-bas. Et il prend le furet. On n'a plus, je pense. Hein. Faut pas rêver. Il y a des maisons et tout là. Attends, montre voir ici. Il était 77 là. Très bien, il est là-bas. Attends, ne me pousse pas, toi, mon ami. Ne me pousse pas. Merde, tu spot. Ah, vraiment là. Ah non, ça va faire mal. Peut-être.
se faire un peu oublier là. Donc on a été spot. On va se mettre là dans les petits bâches magiques. Là, vous allez voir, ça va être sympa sur le T832, le T34 normalement. Très bien, voilà, du T34 là-bas. Ah merde, à mon avis, c'était pas juste là le viseur là. Il n'y avait pas tout ça du char qui dépassait pour le coup. On va se mettre là, on va essayer de spotter peut-être pour l'arty, etc. Tout ce qui va monter là, T832, T34, normalement on est assez proche. T77, de toute façon, quand même, allez, voilà le T832 là. J'ai pas rechargé, toi t'es beau, toi t'es si beau, toi. Quand même un peu propre les dents là, un peu exposé. Je vais quand même me préparer malgré tout à avancer au cas où je fasse spot. le blesque là, il y a le Batchat Douston qui a pris la ligne de Bush hors 2 là. Attention à lui, s'il avance, c'est pas une carte testée donc il n'y aura pas les avions qui vont se crasher. Est-ce qu'il y a des TD là-bas dans le fond? C'est ça que j'aimerais savoir. Très bien, lui, il prend l'arty. J'ai envie d'avancer à poil là. Ah, très bien, lui, il est beau là-bas. Toi, t'es beau, mon ami. Il en prend une. Très bien, très bien. J'ai pas été spoté, ça c'est la bonne nouvelle. Ah, on a tué le 12 tonnes. Oui, merveilleux. Ils ont plus de light. Maintenant, nos lights sont les rois du monde. Enfin, notre light qui reste en tout cas le blesque. Le petit blesque, la T15, il a foncé là-bas. Bon, attention à lui quand même, s'il vient faire du spot. On va le sortir rapidement, la Chrysler, Scorpion, Nomad, Oeteo, les Arties. Est-ce qu'on oserait avancer ici? Oui, moi je pense que oui, là. Je pense que oui, T4, il avance, il n'a pas l'air de prendre des coups, il est toujours full. En tout cas, ah, là-bas, un petit Pantera qui s'enfuit. Merde, ça s'est raté, par contre. Il l'a pris, celle-là, je vais recharger mon clip. Enfin, moi qui spot, c'est le Tevatise 4. Très bien, on va s'avancer jusque chez eux là. On est à la gold, 1390 de dégâts. Je crois pas que j'ai fait des blinds, je sais plus. T832, T34, on pourra leur faire les fesses normalement tout de suite là. Est-ce qu'il reste quelqu'un là-haut? Peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a une artie là tout de suite là en A6? On va voir ça. T34, T832, on va venir dans leurs fesses comme j'ai dit, ça va le faire. Ah, l'arty qui s'enfuit là-bas, qui s'enfuit. Attention quand même qu'elle va faire du spot pour sa team là. Mine de rien, Lorraine. Shrek qui descend dans le trou. Bien joué ça, elle fera pas du spot comme ça. Le Shrek, il a one shot ou quoi? Alors montre voir là, les petits lourdeaux. Ouais, très bien, on a là. Alors je passe spot là, allez, il en prend une. Deux. Il en prend pas 3 malheureusement. Bon, c'est pas grave. Je pensais que ça passerait. Je pensais pas qu'il était trop anglais, quoi. C'est pas grave. On va se faire un peu oublier ici. Les T24, ils peuvent tanker avec leur tourelle là. Normalement, s'ils viennent plus ou moins de face, etc. Ils sont pas en pelot, mais ils jouent comme s'ils étaient en pelot depuis le début là. Les mêmes idées, les deux là. Ça, c'est sûrement un truc de T24. Je vais voir Reload. Merde, tu l'es caché là-bas. Vas-y, je vais avancer. Bon, c'est ici, 832. Ah ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qui reste là-bas? Notre Shrek, il est mort par contre. Eh bien, là-bas, il y a du scorpion perché. Ça prend. Oh, ça boum, c'est la blague. Oh, la blague. À mon avis, j'ai tapé dans le canon, là, je ne sais pas. Lui, là-bas, toi, t'es beau. Ah merde, je tire le mort. Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Je suis full life, donc je vais peut-être pouvoir foncer un peu dans le tas. Un peu de spot, vas-y, on va essayer. E50 là-bas, tiens, E50, j'ai pas rechargé, mais c'est pas grave, je fonce dans le tas quand même. On prend la foudre, très bien, un truc en moins. Oui, Théo, MK2, voilà le MK2 là-haut, toi t'es beau aussi. J'ai pas rechargé, Scorpion qui revient là-bas, attention, il va me la coller. Eh oui, oui, personne peut le finir là, les gars, oui, Théo. Allez, des reculs, mon petit. Tout le long de la ligne rouge là. Merde, je rate mon dernier tir. Ah bah oui, il me sort du coup. Je prends quand même de l'assist normalement. Non, un petit peu, oui. Si, ça va. Bon, c'est pas dégueu. 3000 dégâts. S'ils sortent d'assist, s'ils prennent encore les arties, ouais, merveilleux. Encore un peu. Non, c'est plus moi qui fais le spot là. Bon, il reste que le MK2, ça va le faire. C'est gagné. Si ça vous a plu, vous pouvez liker ces 3 petites batailles. 2 correctes, 2 bonnes, quoi. Et une mauvaise au milieu. Bon, c'est pas parce que c'est une défaite, c'est parce qu'on s'est fait rouler dessus la deuxième, quoi. Et puis j'avais pas trop d'enclus, je sais pas ce qu'il fait.
Il veut prendre le trait, le zozo. Bon, je sais pas. C'est pas ce qu'il fait trop là. Ça va être 2 TM. On va pas regarder lui là parce que lui, il va pas mettre de tir à mon avis. L'autre qui est dans son trou là. S'il essaye quand même. On voit des tirs qui partent, mais il n'y a rien qui touche. Ah, il fait quand même du dégât là. Le MK2. Non, pas comme ça, mon ami. Ça va, il est full life, le WTO. Je pense qu'il va se le faire. Le nomade aussi, essayer d'aller à la hache là. Voilà, c'est fait. Dans son petit flanc. Voilà, bien joué. J'aurais peut-être pu faire mieux si j'avais pas foncé comme ça, comme un sourd non plus. Mais en même temps, il fallait bien avancer, quoi. C'était le money time, clairement. Bah, c'est pas grave. En vrai, comment dire, c'était gagné, quoi. Donc bon. Voilà. C'était trois petites parties. Deux à plus de 3000. La première même bien, plus de 3000, je crois. Je ne sais plus exactement combien. Là, on est top dégâts. On est loin à l'XP, tiens, bizarrement. Le bless, il a fait pas mal d'XP. 4004, c'est correct. L'autre, il a fait quoi? Il est mort tout de suite. Non, 1002, c'est mieux que rien, 1002, mais c'est pas foufou non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces trois petites parties d'affilée de Raw, comme on dit. Allez, à plus tard, tout le monde, prenez soin de vous. À bientôt, à la prochaine.